Bienvenue à tous et à toutes des quatre coins du monde. Nous sommes ici dans une séance sur la planification des programmes. Je suis le professeur Mbonier à l'université Makerere en Ouganda. La pandémie de Covid-19, comme vous le savez tous, a causé beaucoup de difficultés pour les systèmes de santé. Dans le monde, il y a eu des interruptions de services et des confinements qui ont interrompu les processus de la planification familiale. Nous avons maintenant parmi nous quatre panélistes qui travaillent sur le terrain pour assurer à ce que les services de planification familiale atteignent les clients. Nous parlerons de différentes manières que ces panélistes se sont adaptés, par exemple en faisant du mentorat sur Internet pour les prestataires de planification familiale. Ils ont fait énormément de choses pour surmonter les obstacles. Nous avons demandé aux panélistes d'identifier ce qui a bien marché et ce qui n'a pas marché. Et quelles sont les recommandations à adopter? En Ouganda, nous avons expérimenté des confinements, ce qui a beaucoup affecté les clients, surtout les plus vulnérables et les plus démunis. Nous avons développé certaines consignes. Nous avons fourni un soutien au service de travail de proximité. Nous avons également évalué l'impact de nos interventions. Chacun de nos panélistes présentera un résumé de son programme en l'espace de 6 minutes. Et puis, après chaque présentation, je demanderai à l'intervenant de répondre à certaines questions, surtout sur les difficultés, les résultats et les recommandations. J'aimerais maintenant vous présenter les quatre intervenants. Tout d'abord, nous avons la professeure Isse Diop Touré, chef de partie chez Shops Plus. Elle parlera de la facilitation de l'inclusion du secteur privé au Sénégal pendant la pandémie et la riposte à la pandémie Covid-19. Madame la professeure, à vous. Bonjour, monsieur le président de séance. Je vais commencer la présentation. Est-ce que nous avons les... Bonjour, bonsoir à tous les participants à cette rencontre. Je suis docteur Isse Diop Touré, comme l'a si bien dit monsieur le président de séance, et le COP de Shops Plus au Sénégal. Donc, j'ai le plaisir de partager l'expérience dans l'implication du secteur privé dans la réponse nationale à la COVID-19. Le contexte dans lequel les interventions ont été menées est le suivant. Shops Plus est un programme global de l'USAID mis en œuvre au Sénégal de 2015 à 2020, dont le but est de renforcer le rôle du secteur privé dans l'offre d'informations, de produits et de services de santé de qualité, y compris la planification familiale. Shops a aussi mis le focus sur le développement des capacités du gouvernement à interagir, à développer un partenariat avec le secteur privé pour atteindre son objectif de couverture sanitaire universelle. En 2020, la COVID n'a pas épargné le Sénégal, où le premier cas a été détecté le 2 mars par une structure privée de santé. Aussitôt, le gouvernement a mobilisé tous les acteurs pour une réponse nationale multisectorielle et sollicité l'appui de Shops Plus pour la participation du secteur privé. Slide. Le programme d'intervention comporte plusieurs actions. Il s'agit
de s'assurer que le secteur privé puisse se faire entendre à tous les niveaux de prise de décision de la gestion de la pandémie, de capaciter les prestataires privés de santé à s'organiser pour poursuivre leurs activités et s'engager dans la détection et la prise en charge des cas et aussi la communication sur les gestes barrières. D'assister les structures privées à faire face aux difficultés financières par le développement de plans de mitigation des risques et d'appuyer le gouvernement à accroître l'accessibilité aux tests diagnostiques et à dérouler les activités de communication sur les risques et l'engagement communautaire. J'appuie plus aussi à appuyer le développement de stratégies d'adaptation pour l'offre de services de planification familiale dans cette situation de pandémie. Nous avons noté des résultats très intéressants. Le premier résultat, c'est que l'Alliance du secteur privé de la santé, qui fédère tous les acteurs du privé, est membre du Comité national de gestion des épidémies et également a des représentants dans les comités régionaux de gestion des épidémies. Des task forces ont été mises en place et assurent la coordination, la planification et la mise en œuvre des actions du secteur privé. Plus de 1000 prestataires privés de santé, toutes catégories professionnelles confondues, ont été formés en ligne ou en présentiel. Chops Plus a appuyé 250 structures privées de santé à qui Chops a doté de matériel et de produits de protection individuelle pour leur permettre de pouvoir continuer leur service. Slide, please. Chops Plus a conduit une enquête en ligne qui a permis d'identifier 3 laboratoires privés qui sont capables de pratiquer des tests de diagnostic viral et le lien a établi avec le ministère de la Santé en vue de la décentralisation des capacités pour la conduite des tests. Le résultat le plus important ici, c'est que Chops Plus a pu, à travers les laboratoires, à travers le marketing social, fournir 3 millions de condoms, 700 000 cycles de contraceptifs oraux et 70 000 doses de cyanopresse. Ceci qui a correspondu à environ 2 000 couples années de protection dans la poursuite des interventions de l'offre de services de planification familiale. 65 structures privées de santé ont été appuyées pour le développement et la mise en œuvre de stratégies pour minimiser les risques auxquels ils ont été confrontés à cause de la pandémie. Nous avons été confrontés à un certain nombre de difficultés. Le premier a été lié dans l'organisation des sessions de formation en ligne par le fait que l'Internet n'est pas accessible partout dans le pays et que le réseau n'est pas tout le temps de bonne qualité. Et malgré leur engagement, les prestataires participants n'étaient pas toujours disponibles. Deuxième contrainte liée au fait que les mesures de confinement ont interdit les voyages dans le pays, ce qui a constitué un blocage dans la distribution des produits marketing social. Ainsi, nous avons développé une stratégie de télémarketing avec un système de distribution plus approprié. Le dispositif d'alerte également et les protocoles de prise en charge des cas de COVID n'ont pas pris en compte le secteur privé. Et ce qui a retardé les leçons apprises. Malgré la mise en place d'instances de coordination, le secteur privé a encore du mal à rendre systématique la prise en compte de leur point de vue pour maintenir l'engagement du secteur privé. Aussi, il est nécessaire dans ce cadre-là de poursuivre les efforts et également une bonne compréhension des services offerts par le secteur privé et des évidences sur leurs ressources potentielles sont fondamentales. Et enfin, nous avons noté que pendant que les structures privées étaient focalisées sur la COVID, beaucoup de personnes se sont ruées sur les structures privées pour leurs besoins en planification familiale. C'est ainsi que nous pensons que c'est important de s'assurer que les structures privées puissent offrir une gamme variée de produits contraceptifs et également
surtout pour les jeunes. Slide. Mesdames et messieurs, je viens de vous partager l'expérience que nous avons concernant la participation du secteur privé dans la COVID-19 et nous tenons à remercier l'USAID, Sénégal et Washington, le ministère de la Santé et de l'Action sociale et aussi toute l'équipe de Chops Plus du siège et du Sénégal. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Madame la professeure, de cette belle présentation fort intéressante. J'ai deux questions pour vous. Tout d'abord, quelles sont les stratégies que Chops Plus a mises en place afin de travailler avec les responsables régionaux médicaux pour les encourager à travailler avec le secteur privé? Ensuite, y a-t-il des adaptations programmatiques mises en place pendant la pandémie qui vont perdurer après cette pandémie? Par exemple, vous avez mentionné les stratégies de télémarketing. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président de séance. Je vais essayer en 2 minutes de répondre à ces deux excellentes questions. La première question, c'est la stratégie que nous avons utilisée pour les médecins-chefs de région qui étaient réticents. Nous avons fait appel au ministre de la Santé qui a fait une note de service et qui a envoyé cette note de service à tous les médecins-chefs de région et les autorités locales pour leur demander d'intégrer le secteur privé dans les comités régionaux de gestion de l'épidémie. Nous avons aussi mené une mission sur le terrain pour rencontrer ces différentes personnes qui étaient réticentes et discuter avec eux de leurs préoccupations, partager avec eux toutes les informations et les potentialités du secteur privé dans leur localité. Et ceci a finalement conduit à l'adaptation d'un plan d'action et un plan de suivi de la mise en œuvre de ce plan d'action. La deuxième chose que nous avons fait, c'est développer une plateforme en ligne pour les formations. Je suis en train de parler de la deuxième question. Quelles sont les stratégies que nous avons développées pour nous adapter à la question? Pour nos interventions, nous avons vraiment révolutionné notre manière de faire. D'abord, nous avons développé une plateforme en ligne pour toutes nos formations qui se faisaient en présentiel. Désormais, on les fait en ligne. Pour toutes les activités de suivi, de réunion de coordination également, on les faisait en ligne. Et pour ce qui concerne maintenant notre stratégie de marketing social, nous avons développé une stratégie de télémarketing basée sur page web, basée sur le WhatsApp et également une téléprospection auprès des différents points de vente. Alors, ces stratégies ont montré qu'on pouvait avoir des résultats, et même mieux, ces stratégies ont montré qu'on pouvait gagner du temps, et en définitive, ce sont des stratégies coût-efficientes, et nos acteurs, nos collaborateurs ont tous décidé de poursuivre cette façon de faire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Madame la professeure, Madame la docteure, d'avoir répondu à ces questions et d'avoir partagé votre expérience. Maintenant, j'aimerais donner la parole à Madame la docteure Tabina Saroche. Elle nous parlera de choix alternatif à la planification familiale au Pakistan. Merci, monsieur le modérateur. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Comme monsieur Monnier a dit, je suis directrice du pays pour Pathfinder International au Pakistan et je travaille avec plusieurs organisations sous l'égide de la Fondation Bill et Melinda Gates. Nous nous intéressons surtout à la planification familiale et l'accès à la planification familiale pour les jeunes femmes. Voici un peu de contexte. Le premier cas de COVID-19 a été confirmé en février 2020 et en l'espace de plusieurs semaines, on avait au-delà de 5000 cas. En février, on était dans la phase accélérée de distribution de services.
on avait renforcé le rôle de travailleurs de proximité et on avait des stratégies mises en place pour la planification familiale post-avortement et post-partum, ainsi que des services de distribution de dépôt Provera subcutané. On travaillait avec du personnel dans le secteur public et le secteur privé. On avait une expérience dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola. On était sûr donc qu'il y aurait une éruption de la pandémie plus large. On voulait assurer un accès aux services de planification familiale pendant la pandémie, ainsi que les services de santé reproductive. À ce but, nous avons créé une évaluation sur la facilité d'utilisation de différents services sur Internet. Nous avons également développé le contenu et nous avons conçu des séances sur Internet. Vidéo suivante. Donc il faut entendre les conséquences des menaces contre la sécurité. Il faut avoir une approche qui permette la participation. Nous avons des formations pour les fournisseurs des soins de santé. Nous avons des vidéos et il convient de faciliter des discussions et des sessions. Nous faisons un suivi. Nous avons des interactions de mentorat. Et donc, il faut se concentrer sur les connaissances et le savoir-faire. Nous avons une plateforme de mentorat. Et donc, ce ne sont pas seulement des connaissances, mais ce sont aussi des connaissances sur le terrain qu'il faut partager. Et il faut que le projet puisse s'identifier et répondre aux besoins constants des équipements de protection. Et il faut passer maintenant à l'image suivante. Nous avons développé un véritable système d'apprentissage avec des formations de groupe, suivies de sessions 1 à 1, face à face. Et si vous voyez donc la transparence suivante, vous voyez toutes les. Nous regardons l'image suivante. Donc, la formation voit qu'il y a une formation satisfaisante et il y a également un très bon feedback. Nous regardons donc l'approche de recherche donc pour pouvoir évaluer donc les mentorats, l'approche de mentorat et les connaissances acquises. On va passer au transparent suivant. Les plus grands défis à relever dans un contexte comme celui du Pakistan, le plus grand défi à relever, c'est donc les problèmes de connectivité, la corruption, les fuites d'informations. Nous essayons d'atténuer les risques pour pouvoir respecter la confidentialité et la vie privée. Si nous passons donc à la diapositive suivante, nous pensons que cette approche et les principes que nous allons suivre, c'est adaptabilité, flexibilité et capacité de réponse. La plateforme digitale, la plateforme numérique permet de nous connecter avec les fournisseurs pour avoir un mentorat et une motivation constante. Donc, c'est idéalement, parfois, le contact s'établit sans personne. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je suis très heureuse d'y répondre ou bien vous pouvez également me joindre par courriel. Merci beaucoup. Merci, docteur Saroche, pour cette très bonne présentation. C'est maintenant mon plaisir de donner la parole au docteur Doualiger, qui est donc en Ouganda. Il va nous parler des innovations. Donc, quels sont les outils, quelles sont les approches, de façon à ce que nous puissions augmenter
les injections disponibles. Nous allons également entendre parler donc du Madagascar, Sénégal et Ouganda. Docteur, vous avez la parole. Merci, bonjour à tous. Docteur Ronde, Isni, donc je voudrais parler. Nous parlons de ce projet dont vous avez accès. Donc, je vais partager avec vous les innovations. Donc, quels sont les différents outils que nous pouvons avoir pour pouvoir augmenter les injections disponibles? Ici, ce sont les noms de nos collègues qui ont fait donc, et je vais partager avec vous le travail accompli, la prochaine diapositive. Donc, notre objectif, c'est de pouvoir avoir un projet qui nous parle. Donc, quelles sont les méthodes contraceptives disponibles? Donc, ici, donc, ce sont des contraceptifs qui peuvent protéger les femmes pendant 3 mois. Donc, on peut utiliser une dose plus faible de ce produit qui s'appelle également Depo Provera. Donc, ceci nous permet, donc, c'est une façon de pouvoir utiliser ces injections anticonceptives. Et donc, nous recommandons vivement d'utiliser ce genre d'injection dans cette époque de pandémie du COVID-19. Donc, on peut parfois faire les injections à la maison. Et donc, on peut également avoir des formations dans nos locaux pour faire ces injections. Donc, la formation des travailleurs donc, nous permet de pouvoir réaliser avec succès ce genre d'injection. Cependant, la formation que nous avons de nos travailleurs, c'est quelque chose de relativement cher. Les formations en dehors de nos sites de travail peuvent parfois prendre beaucoup de temps. Et maintenant, nous avons un autre défi à relever avec le COVID-19. Comment est-ce qu'on peut fournir des formations et de la planification familiale par cette époque de pandémie? La prochaine diapositive, une formation innovante et des approches de supervision. Donc, on parle du Madagascar, Sénégal et Ouganda. Nous avons également donc comment utiliser ces injections. Nous avons donc des formations, des activités qui se concentrent sur les différents pays et à l'exception de l'Ouganda, ils ont un cours qui est donc en ligne. Nous avons conduit des évaluations dans tous les pays. Nous passons à la diapositive suivante. Plus de 6 500 travailleurs de la santé ont été formés dans 4 pays. Donc, nous avons eu des formations avec des petits groupes pour ces sessions et donc ceci nous a permis de pouvoir distribuer le matériel en ligne et nous avons donc cette formation qui a eu lieu en ligne. Donc, nous avons également des formations qui se sont faites sur place. Nous avons des travailleurs du secteur public et privé. Et il y a eu plus de 4 600 travailleurs qui ont été formés, qui sont distribués dans les 4 692 travailleurs de la santé dans 13 différentes provinces. À Madagascar, l'approche s'est vraiment concentrée sur la formation dans les injections, l'expérience. Et donc, on leur a permis d'avoir une formation sur les injections, comment le faire. Donc, ici, nous avons au cours. Donc, ils ont pris les informations qu'ils nous ont formées et nous avons donc visité les différents locaux.
Donc, dans tous les sites, nous avons pu donc spécialement nous concentrer sur les travailleurs de la santé pour leur expliquer les étapes d'injection, quatre étapes. Donc, nous avons pu donc toucher des patients qui parfois étaient difficiles réellement à pouvoir toucher. Ces activités ont été dirigées par donc nos travailleurs. Au Sénégal, nous avons donc des formations pour les injections. Nous avons eu donc des formations supervisées, les formations pour ces travailleurs donc se sont faites en ligne. Nous avons eu des formations également en ligne sur la façon de pouvoir réaliser ces injections. Donc, nous avons pu toucher 397 travailleurs de la santé dans cinq différentes régions et 347 travailleurs de la santé qui ont reçu une formation sur les lieux du travail. En Ouganda, nous avons donc des leçons. Donc, pour pouvoir réaliser ces injections anticonceptives. Donc, nous avons eu donc des travailleurs de la santé qui n'avaient pas reçu cette formation. Donc, ces travailleurs ont donc pu être formés. Et donc, on leur a fait des démonstrations comment réaliser ces injections. Et donc, ils ont pu avoir de la pratique et ils ont pu avoir une supervision. Donc, nous avons noté donc qu'il y a eu des évaluations. Nous avons recruté différents travailleurs. Mais le contenu également, tout n'a pas été couvert dans les cours que nous avons donnés. Donc nous avons souligné le besoin de besoin pour ces cours et pour pouvoir réaliser ces injections. Nous avons vraiment besoin de formation. Il y a eu plusieurs défis à relever que nous avons pu noter en ce qui concerne le programme. Il faut donc pouvoir considérer en avance tous ces problèmes qui peuvent exister au moment d'établir de nouveaux programmes. Donc, nous avons eu par exemple des problèmes, bien entendu, de connectivité par Internet ou par téléphone. Donc, nous avons pu faire des formations. Nous avons eu différentes formations pour nos travailleurs de la santé, malgré les défis que nous avons dû relever. Nous avons pu faire également des formations par téléphone. Nous avons eu donc cette formation que nous avons pu faire à distance, en ligne, pour les francophones ou les anglophones. Nous avons pu apporter un soutien technique. Nous avons pu épauler les différents travailleurs de la santé. Quelles sont les leçons que nous avons pu en retirer? Donc, ce qui fonctionne le mieux, c'est donc un apport technique pour les différents travailleurs. Donc, il faut améliorer la connectivité. Il faut leur pouvoir donner différents messages qui puissent aider. Il y a eu une combinaison, et donc c'était très important de fournir des éléments de travail et d'appui. Nous avons également eu une étape de suivi pour les différents travailleurs de la santé. Merci. Merci à tous d'avoir écouté cette session pour avoir plus d'informations et obtenir peut-être plus d'informations en ce qui concerne cette application. Merci, docteur Baridje, pour votre présentation. J'ai deux questions pour vous. Une question, ce sont les défis que vous avez partagés avec nous. Quel est le plus grand défi à relever? Qu'est-ce que vous avez fait pour pouvoir le résoudre?
La deuxième question, est-ce qu'il y a des approches qui soient soutenables? Est-ce qu'il y a des plans de continuer à appliquer ces différents éléments après la pandémie? Est-ce que vous pouvez nous répondre à ces deux questions? Le plus grand défi à relever, c'était la connectivité par Internet. Donc, les participants, ou donc, ça a été également, nous avons pu faire des communications par téléphone. Et donc, nous avons mis en place un plan d'action. La prochaine question, donc, nous travaillons avec le ministère de la Santé dans les différents pays pour pouvoir donc mettre à échelle ces différentes innovations et nous travaillons à résoudre les différents défis qui se posent à nous. Par exemple, nous avons une plateforme donc en ligne et sur cette plateforme, nous avons une application qui permet aux gens de prendre de suivre ce cours en ligne lorsqu'ils se connectent. Et donc, nous avons également des approches de formation que nous utilisons. Et donc, les travailleurs peuvent donc utiliser aussi leur téléphonie mobile pour se connecter et pour suivre le cours. Merci, docteur Marie-Jeanne, pour ces réponses. Et merci pour cette bonne présentation et pour partager avec nous ces quatre pays. Maintenant, nous avons notre prochain panéliste, c'est le docteur Tamina Ardugaïch, qui donc dirige la société de gynécologie. Elle va nous parler de la médecine en Oman. Et donc, elle va maintenant nous parler dans quelques minutes. Merci, docteur Anthony, pour cette gentille présentation. Merci de m'avoir invité à partager nos expériences avec la ligne d'appel médicale. Je vais partager avec vous l'expérience de l'Oman pour pouvoir mettre en place une ligne de communication pour des consultations de gynécologie au cours de la pandémie du COVID-19. Pour les personnes qui ne connaissent pas Oman, donc, c'est un très beau pays, donc, dans la péninsule, au sud de la péninsule arabique. Nous avons bien entendu été affectés par la pandémie du COVID-19, comme le reste du monde. Et donc, c'était le 25 février 2020 que nous avons pu identifier. Nous avons eu un certain nombre de cas d'infection. Donc, nous avons un total de 132 000 cas et 1514 décès. Donc, après le début de la pandémie, nous avons discuté des différentes options pour pouvoir mettre en place une ligne de communication en télémédecine pour pouvoir avoir des consultations, pour pouvoir faire face aux problèmes de gynécologie pour toutes les femmes du pays. Donc, cette initiative a été donc une initiative collaborative donc de l'ONU, UNFPA, donc et la Société de gynécologie de l'Oman. Donc, c'est une approche conjointe, collaborative. Nous avons commencé en mai, décembre 2020, du mois de mai jusqu'au décembre 2020. Nous avons mis en place cette ligne de communication au service de toutes les femmes, qu'elles soient donc enceintes, qu'elles nourrissent leur enfant au sein, si elles ont des problèmes, ce qui concerne les anticonceptifs ou bien la ménopause. Nous avons une consultante qui est donc qui a la responsabilité de fournir des consultations, de guider les femmes et donc pouvoir rassurer les femmes qui parlent arabe ou anglais. Donc, le principal objectif de cette ligne de communication, c'est de pouvoir offrir des conseils à toutes les femmes pour éviter qu'elles ne contactent les maladies. Donc, nous avons notre but, c'est de pouvoir diminuer les visites en personne dans les locaux de santé. Nous avons également un système de santé. Donc, beaucoup de choses ont été arrêtées. Donc, il est plus difficile d'avoir des rendez-vous en personne. Et donc, beaucoup de femmes
n'ont pas pu avoir, donc avaient besoin de faire, de résoudre certains problèmes de santé, elles n'ont pas pu le faire. Et donc, nous essayons de guider les femmes, comment est-ce qu'elles peuvent, pour l'aspect gynécologique, comment elles peuvent donc résoudre leurs problèmes de santé. Et nous leur recommandons des médicaments si besoin. Nous avons eu deux consultants, seniors, qui font donc un excellent travail. Et ce que nous faisons, nous faisons beaucoup de publicité dans les médias, par la télévision, la radio de l'Oman. Et nous avons également une plateforme des médias sociaux pour pouvoir diffuser parmi le public, qu'ils soient au courant de l'existence de cette ligne de communication. Nous avons utilisé le centre d'appel du ministère de la Santé qui existait déjà, et donc c'est plus facile pour nous de pouvoir reprendre les appels. Et donc nous pouvons avoir donc des appels pendant les journées de travail. Toutes les appels donc sont supervisés par des sages-femmes. Nous avons des consultations cliniques, donc nous avons donc des contacts directs avec les patients ou les femmes qui parlent directement avec des consultants, qui peuvent donc résoudre leurs problèmes. Nous avons des services que nous avons assurés de mai à décembre 2020. Donc, nous avons à peu près un total d'appels 609. Donc, la plupart sont des problèmes accouchement, gynécologie. Donc, nous avons également 50% d'appels qui sont strictement de gynécologie. La plupart sont en relation avec des problèmes de planification familiale, problèmes de fertilité, planification familiale, anxiété des femmes parce qu'elles craignent d'avoir perdu leur fertilité. Donc, elles voudraient savoir quels sont les traitements qu'elles pourraient recevoir. Donc, tous ces problèmes ont pu être abordés, et nous avons eu beaucoup d'appels également ce qui concerne les options de contraception, comment pouvoir avoir accès à des contraceptions d'urgence. Donc, tous ces problèmes ont été abordés par téléphone. Et donc, on a pu envoyer également des messages. Donc, nous pouvons donner donc également et avec les services de l'ONU, UNFPA. Et donc actuellement, donc nous avons pu évaluer donc à la fin du projet, donc nous avons pu faire une évaluation donc finale. Mais en gros, nous pouvons dire que c'était une initiative qui a été couronnée du succès et qui était vraiment excellente. La prochaine diapositive, s'il vous plaît. Comme toutes les initiatives, donc il y avait bien entendu des défis à relever, des problèmes que nous avons pu résoudre avec un effort collaboratif au cours de cette période de pandémie. Et donc, c'était bien sûr un effort collaboratif pour pouvoir maintenir cette ligne directe. Nous avons eu des appuis financiers pour cette initiative. C'était un problème de pouvoir toucher toutes les femmes du pays et les informer de la présence de cette initiative parce que ces services étaient réellement uniques et innovants. Et donc, le besoin y est pour les femmes. Cependant, nous avons constaté que les réseaux sociaux étaient fort utiles, ainsi que d'autres médias, par exemple la télévision d'Oman et des SMS envoyés aux grands groupes. J'avais également mentionné le défi lié aux ordonnances. Et on avait une manière d'envoyer des messages directement à la patiente avec le nom du médicament prescrit. Les leçons que nous avons tirées des derniers mois sont les suivantes. Cette initiative a vraiment
mise en lumière le besoin des modalités novatrices afin d'atteindre les femmes et d'assurer un accès aux soins pendant ces moments difficiles. Mais nous devons également continuer ainsi après la pandémie. La réponse des femmes a vu une amélioration nette après la couverture de la part des médias, notre campagne médiatique. Une grande diversité de femmes ont été atteintes dans les différentes régions d'Oman par rapport aux questions obstétriques et gynécologiques et par rapport à comment accéder au système de santé. Il y avait également certaines femmes qui ont eu besoin d'aide pendant des situations d'urgence et nous avons pu y faire face. Et cela aussi, c'est vraiment un grand besoin. L'initiative était un effort collaboratif. Nous avons travaillé avec le leadership du ministère de la Santé afin d'établir une plateforme sur Internet similaire. Nous avons l'intention d'établir cette plateforme plutôt afin de faire perdurer cette initiative au-delà de l'ère de la pandémie pour que les femmes puissent subvenir à leurs besoins en santé reproductive. Merci beaucoup de cette opportunité. Je serai très contente à répondre à vos questions. Merci Madame la Docteure Tamima Rachid Al-Dougaichi. Merci de votre présentation. J'ai une question pour vous. Quel était le plus grand défi auquel vous avez fait face et comment est-ce que vous l'avez surmonté? À mon avis, monsieur le docteur Mbonier, c'était la diffusion des informations pendant la pandémie. Bien sûr que les réseaux sociaux nous étaient très utiles pour les atteindre. Et le renforcement des publicités à travers la télévision d'Oman et la radio, c'était vraiment très utile. Merci infiniment, Madame la Docteure, de votre présentation. Et merci d'avoir répondu à ma question. Mesdames et messieurs, chers participants, j'ai maintenant le grand plaisir de conclure la séance avec nos intervenants. Je vois que nous avons quelques questions du public. N'hésitez pas si vous n'avez pas encore posé votre question et nos intervenants y répondront. Alors, voici une question pour tous les intervenants. Comment atteindre ceux qui n'ont pas accès à Internet? C'est une question pour vous quatre. Comment est-ce que vous arrivez à atteindre les personnes n'ayant pas accès à Internet? Ensuite, Madame la docteure Touré, comment vous faites pour atteindre les gens dans des zones rurales sans Internet? Comment peut-on introduire le processus d'auto-soin pour le dépôt Provera subcutané si on ne l'a pas encore dans notre pays? Ça, c'est une question pour le professeur Baridje. Ensuite, Sarah Onyango dit « Merci de la présentation, monsieur le docteur Baridje. Est-ce que ce sont les femmes dans les quatre pays qui font l'auto-injection ou est-ce que le DMPASC est toujours fourni par les prestataires de services de santé ?»
Il y a plusieurs questions auxquelles j'aimerais répondre. Tout d'abord, l'introduction d'auto-soins dans le contexte d'auto-injection. Nous avons plusieurs pays avec de différentes situations. Il y a des pays où l'auto-injection existait déjà, des pays où l'auto-injection n'a pas encore été introduite. Mais par rapport aux quatre pays que j'ai présentés, au moins en Ouganda, nous avons l'auto-injection déjà. Chacun des pays doit faire face à certaines politiques. Dans certains pays, on essaye d'offrir des consignes. En Ouganda, nous avons une certaine situation et on a autorisé la mise à l'échelle de l'auto-injection. Il y a certains pays qui soutiennent déjà des politiques de ce genre, d'autres pays dans lesquels il faut toujours adapter ces politiques. Ensuite, comment atteindre les personnes n'ayant pas accès à Internet? Cela fait vraiment partie des défis, c'est sûr. Lors de ma présentation, j'ai mentionné que nous essayons de faire la transition vers une plateforme avec une application qui permet aux personnes de travailler sans Internet. Ainsi, on peut avoir un volet offline. Il faut tout simplement un téléphone très simple pour ce genre de fonctionnalité. À vous, monsieur le modérateur. Merci, Georges. Merci d'avoir répondu à ces questions. Madame la docteure Touré, pouvez-vous répondre à certaines questions? Par exemple, comment est-ce que vous arrivez à atteindre les gens en zone rurale sans Internet? Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président de séance. Je me faisant dans les facilités que nous avons, je suis entrée dans le côté questions-réponses où j'ai commencé à répondre aux différents participants. Mais pour cette question particulière, pour ce qui concerne les activités de formation, c'est clair, on n'a pas pu organiser des sessions de formation en ligne, mais nous avons travaillé avec les médecins-chefs de région qui, du fait de la pandémie, ont organisé des sessions avec des bouchées réduites et avec le respect des mesures de prévention, distanciation sociale, etc. Maintenant, pour ce qui concerne le télémarketing proprement dit, nous avons utilisé des relais communautaires qui ont pu effectuer en prenant toutes les garanties possibles de prévention pour amener les activités sur le terrain. C'est comme ça que nous avons procédé. J'espère pouvoir avoir répondu à cette question. Pour le reste, je continue à regarder effectivement la session questions-réponses et à répondre au fur et à mesure aux différents participants. Par exemple, il y a un participant qui a posé la question à savoir le rôle du secteur privé dans la lutte contre la COVID n'a pas jusqu'ici connu en France. Quels sont les obstacles majeurs et quelles sont les solutions? Je pense que c'est une question qui a été posée par le président de séance et auquel j'ai répondu, et c'est dû essentiellement au fait qu'il y a des acteurs du public qui sont très réfractaires au changement, qui se positionnent en termes de rivalité avec le secteur privé, mais aussi les protocoles de prise en charge ne sont pas effectivement disséminés au sein du secteur privé, et ça limite effectivement leur participation. Mais il y a des avancées significatives. Et je vais vous donner un exemple dans la région de Kaolack, du fait que des fonctionnaires et certaines personnes ne veulent pas aller dans les centres de traitement. Le gouverneur a pris la décision avec le médecin chef de région d'ouvrir deux centres de traitement qui sont gérés par le secteur privé, juste en termes d'exemple. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Merci.
Madame la docteure, nous passons maintenant à Madame la docteure Tamima. Comment est-ce que vous arrivez à atteindre les personnes en zone rurale sans Internet? À vous la parole. Merci, monsieur le modérateur. Notre initiative ne dépend pas d'Internet, en fait. Il s'agit d'un numéro vert. C'est donc une question de communication et c'est disponible dans le pays tout entier. Avec les médias, bon, nous avons beaucoup dépendu des réseaux sociaux. Mais la télévision, la radio et les SMS envoyés en masse ont été très utiles. Dans notre pays, surtout dans les zones les plus peuplées, Internet est quand même disponible en général. Je pense qu'il y a eu une autre question par rapport à l'initiative. C'était une initiative qui a pris fin en décembre. Cependant, nous essayons actuellement d'établir une plateforme sur Internet pour faire face à ces mêmes questions à travers la télémédecine. Les langues utilisées étaient l'arabe et l'anglais. Et on avait posé une question par rapport à quel genre de femmes y ont fait appel. C'était surtout des femmes avec des problèmes de fertilité. Merci, monsieur le modérateur. Très bien. Peut-être que nous pouvons maintenant résumer notre conversation. Je voudrais demander donc à chaque panéliste donc, une réponse finale et donc on va écouter ce qu'ils ont à dire. Nous donner donc vos dernières pensées sur quelles sont les meilleures leçons que nous pouvons retirer, quels sont également les messages à transmettre. Donc ça c'est pour tous les panélistes. Donc ils sont tous ici en direct. Donc s'il vous plaît, c'est notre dernière session. Donc nous voudrons avoir vos toutes dernières pensées. Qui veut passer en premier? Qui veut passer? Alors ça c'est vraiment le message final. Monsieur le président de séance et chers participants, le secteur privé a des potentialités extraordinaires qui doivent être saisies par les gouvernements. D'abord, pour ce qui concerne la lutte contre la pandémie, ils ont un très grand rôle à jouer, aussi bien sur le plan diagnostic, sur le plan du bilan biologique qu'on oublie très souvent, mais également sur le plan de la prise en charge. Mais la leçon la plus importante que je veux partager ici, c'est qu'en situation d'épidémie, le monde ne s'arrête pas et que les autres besoins de santé sont là et il faut y répondre, et surtout en matière de planification familiale. Et pour ce faire, l'expérience du Sénégal a montré que le secteur privé est capable de pouvoir assurer la continuité des services pour répondre aux besoins des populations. Et en matière de planification familiale, le secteur privé a un rôle incontournable pour que les pays puissent atteindre leurs objectifs en matière de couverture sanitaire universelle, mais également en matière de planification familiale. Je vous remercie. Thank you very much, Dr. Tamima. Quels sont les messages finaux pour l'audience? Oui, professeur, d'après notre expérience actuellement, cette expérience nous a ouvert l'esprit aux besoins actuels de pouvoir toucher les femmes, non pas seulement par des temps difficiles, mais même par les temps habituels, pour pouvoir aborder leurs besoins en matière de santé. Donc, nous avons des approches innovantes et il y a une bonne façon de pouvoir le faire, non seulement au cours de cette pandémie, mais nous prévoyons vraiment de poursuivre nos efforts. Donc, je voudrais que nous puissions toucher d'autres secteurs de la santé, non pas seulement la gynécologie. Donc, est-ce qu'il y a d'autres pensées finales? Est-ce qu'il y a un dernier message que vous souhaitez transmettre? Je crois que cette époque de pandémie
nous a permis donc de pouvoir évaluer ici et pouvoir avoir d'autres approches sur la planification familiale. J'entends mal. Donc, ici, nous avons donc un programme, donc nous avons des temps qui sont difficiles. Donc, nous avons pu utiliser d'autres approches, nous avons pu avoir des formations qui ont vraiment permis de pouvoir aider. Donc, oui, donc nous avons pu trouver de nouvelles solutions, de nouvelles approches pour nos programmes de planification familiale. Et donc, ce qui vraiment nous permet de continuer, je sais que nous avons besoin de plus d'approches, nous avons besoin de travailler dans plusieurs langues et de trouver des solutions qui soient applicables. Donc, malheureusement, nous n'avons pas tellement de financement, mais je crois que c'est très important. Nous devons résoudre nos problèmes de connectivité. Et donc, aussi, nous devons essayer de toucher les gens qui parlent des langages locaux. Et donc, c'est très important pour nous de pouvoir toucher ces populations rurales. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je voudrais vous remercier pour cette discussion d'aujourd'hui. C'est le début, donc, pour que nous puissions continuer à travailler et réfléchir, donc, sur cette très importante programmation et de pouvoir faire appliquer la planification familiale. Je voudrais remercier les panélistes pour ces passionnantes présentations et pour, j'espère que nous allons pouvoir nous rencontrer de nouveau. Je remercie l'audience de nous avoir écoutés. Je crois que nous avons beaucoup de choses que nous avons pu apprendre, beaucoup de choses que nous pouvons mettre en pratique dans différents pays. Donc, je ne vais pas partir sans remercier l'audience. Donc, je voudrais remercier le docteur Benno Colassa. Je voudrais remercier donc le FNUAP. Et je voudrais remercier l'USAID. Et donc, tous ceux qui sont venus, qui nous ont aidés dans cette présentation, c'était un plaisir et un honneur d'avoir dirigé ce panel et j'espère, et j'étais très heureux d'avoir l'opportunité de participer à cette conférence internationale. C'est maintenant mon plaisir de pouvoir de dire que ce panel est maintenant fermé, donc vous pouvez partir quand vous le souhaitez. Et merci encore à tous. Stars.
with the power to be seen across the world. We're not the future, we the present. Invest in us and you will see the world is changing. Because our bodies.